C'est l'heure de la pesée, c'est à peu près 7h moins 10. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est parti pour les championnats du monde de lutte kazakh. On part de l'hôtel, moins 20 degrés et on va à la compète, c'est à peu près 20 minutes. Pensez à liker, à vous abonner, à partager et c'est parti pour cette journée extraordinaire. Petite célébration, Coke Zéro, 250 millilitres. Demain, on reprend la diète. Petit débriefing de ce championnat du monde de lutte kazakh à Astana, au Kazakhstan. C'était vraiment exceptionnel comme expérience. Donc déjà, c'était vraiment de pouvoir se qualifier pour pouvoir aller dans ce type de tournoi, c'est vraiment pas facile. Il a fallu que je fasse plusieurs tournois en Europe de lutte. Et finalement, j'ai pu y arriver, j'ai pu être donc sélectionné, shortlisté pour pouvoir faire cette compétition. Donc c'était assez long comme voyage. Je suis arrivé là-bas, il faisait moins 25 degrés, plus un vent vraiment glacial. Donc c'était un grand changement de température parce que moi ici, je suis autour de 35 degrés quasiment toute l'année. Donc ça faisait une différence de 60 degrés en quelques heures. Et la nourriture était vraiment délicieuse, les gens étaient vraiment accueillants, même s'il y avait quelques petits soucis de communication. L'organisation était top. Et bien sûr, la compétition, c'était vraiment d'une intensité maximum. J'ai eu un bon tirage, j'ai pu faire 5 tours donc, de compétition, de combat. 3 victoires qui étaient vraiment pas faciles à aller chercher contre des nations rudes comme le Pakistan, des nations techniques comme l'Italie. Et bien sûr, j'ai pu faire donc le match pour la médaille de bronze contre le Kazakhstan dans un stade plein à craquer avec une ambiance de folie. Et même si
bah, il m'a manqué un petit peu de jus, peut-être un petit peu plus de tactique pour pouvoir aller chercher ce point et gagner ce match contre le Kazakh. Mais c'était vraiment très très tendu. En fait, ce mec est très très fort. Il m'a battu il y a quelques années. Là, pendant la compétition, il a torché en 2 minutes le champion du monde de sambo qui est champion du monde de judo, un géorgien très 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 fort, Pata il s'appelle. Et du coup, ce Kazakh était vraiment super en forme, quoi. Et j'ai réussi à tenir contre lui 6 minutes. J'étais là en train d'essayer de gagner tactiquement parce que techniquement et au niveau de la force et de la puissance, c'était pas évident. On était quasiment à jeu égal. Mais bien sûr, j'étais dans son sport parce que ce mec est spécialisé dans ce type de lutte avec ce type donc d'uniforme, là, de kimono comme vous avez pu voir, avec les manches assez courtes où on a le droit d'attraper la ceinture et tout ça. Donc j'ai essayé de le garder à distance. J'avais mis en place un plan avec un ami qui m'a coaché pour ce tournoi. Donc le garder à distance, essayer de faire monter les pénalités, et ça a marché. Je l'ai sorti une fois, j'ai mis la pression sur l'attaque. Donc mon plan marchait, mais je me suis pris une boîte, donc une sorte de Yuko Wazahari pour donc ceux qui connaissent, où je tourne un peu sur le côté. Et en fait, le gars, il va pour m'arracher, et à ce moment-là, j'essaie d'attraper la jambe, ce qui est interdit. Et donc, je pensais prendre la pénalité d'attraper la jambe, mais en fait, je prends la pénalité et je prends le point derrière. Donc, c'était double peine. Mais en même temps que je m'attrapais sur sa jambe, je m'évitais de retomber à plat dos. Donc, peut-être que j'ai évité le pire. En tout cas, ce mec-là, je le retrouverai, je ferai tout pour le battre et je retournerai l'année prochaine donc pour ce championnat du monde. Parce que en étant donc j'ai fini 5e de ce tournoi, c'était vraiment exceptionnel parce qu'il y avait, on était une trentaine de combattants dans la catégorie. C'était vraiment tous des killers, quoi. C'était le matin quand je suis arrivé à la pesée, la première chose que j'ai dit à mon pote là, j'ai dit purée là, il y a que des criminels, ça va être d'une intensité maximum, quoi. Et en fait, je me suis pas trompé. Franchement, tous les mecs qui étaient là, ils avaient vraiment la rage. C'est des mecs qui font tous les tournois comme moi. La lutte, le judo, tout ce qu'ils trouvent, tout ce qu'ils trouvent aux quatre coins du monde. Donc, on est tous les mêmes, quoi. Là, on est tous des acharnés. Il n'y a pas de place pour les touristes, quoi. Donc, tous ces matchs, ça donne vraiment beaucoup d'expérience, ces victoires, ces places. Donc, cette année, j'ai pu faire quand même 3 championnats du monde, 2 judo, 2 lutte ouzbek, 2 lutte kazakh. J'ai pu coacher au championnat du monde de judo cadet, donc avec un de mes élèves. Donc on est dans une dynamique exceptionnelle. Et là, après seulement 2-3 jours à ma base, je repars en compétition. Donc là, je suis sur le départ. Je pars dans quelques minutes en Malaisie avec 12 de mes élèves. Ça va être vraiment très, très intense aussi. Il y a plusieurs nations qui viennent. Il y a délégation chinoise, Singapour. Il y a bien sûr l'équipe de Malaisie qui va vouloir performer à la maison. Et je vais tout vous mettre dans la boîte, bien sûr. Pensez à liker, à vous abonner, à partager. Parce que là, on est dans une dynamique exceptionnelle. Après ce tournoi, on a quand même quelques semaines à la base où on va pouvoir recharger un peu les batteries. Et le début d'année va être exceptionnel. Je ne vous en dis pas plus, mais je sens que ça va être vraiment, vraiment très, très fort. Il y a déjà dès février, on a 3 destinations magiques. Ça va vraiment être très, très fort. Donc, pensez à liker et surtout, invitez vos amis sur la chaîne. Ok ? À demain pour de nouvelles aventures. Ciao !